Bonjour. Vous savez, en tant que médium, j'ai reçu beaucoup de messages de au-delà. Beaucoup de messages de désincarnés que j'ai partagés avec mes consultants ou pendant les conférences. Et souvent, les gens, ils sollicitent un petit message, être confortés dans leur vie par les êtres chers qui sont à l'autre côté, et aussi pour voir si leur décision est la bonne décision à prendre ou prendre un petit peu de nouvelles. Et souvent que j'ai vu qu'on demande beaucoup pour nous-mêmes des messages. Et regarde actuellement comment nous, le vivant, les incarnés, on traitait notre planète. On fait plutôt une minute de silence que, par exemple, une forte méditation collective dans le pays. On pense plutôt à des choses pour nous dans la matière, dans l'économie, dans la politique, que qui est vraiment bon pour les âmes, pour les esprits, pour les désincarnés. Peut-être c'est le temps, maintenant, puisqu'on voit tout, qu'on voit tous autour de nous, qu'on a besoin d'un changement. Et pour ce changement, avec l'aide de l'au-delà, j'ai écrit un rituel. Cet rituel, je nomme un rituel de pensée positive, qui me aide d'être positif et aussi positif pour mon environnement, pour des autres, pour ma planète, et quelque part un rituel qui crée une suggestion pour nous-mêmes, pour répéter dans notre tête, pour répéter et reprogrammer notre cerveau, parce que l'homme en majuscule H, il fonctionne comme ça. Nous avons un cerveau, et ce cerveau, on peut reprogrammer, on peut changer. Et n'oublie pas, nos êtres chers, c'est peut-être nos enfants qui retournent sur planète Terre. Et si on continuait comme ça, avec cette négativité, avec cette connexion sur le bien, sur la matière, on n'arrive jamais de nous sortir. Donc c'est vraiment un travail en collectif qui peut changer le collectif. Donc pour cette raison, j'ai créé ce petit rituel. Il est pour moi, mais vous pouvez l'utiliser aussi, et qui est basé sur une pensée positive et sur une suggestion positive. Et je pense que c'est bien de faire ça de temps en temps. Comme je dis souvent dans mon conférence, d'être heureux n'est pas facile. Je l'ai compris. J'aide beaucoup de gens qui ne sont pas heureux. Nos êtres chers qui sont désincarnés nous aide aussi d'être plus heureux, mais à la fin du jour, c'est nous-mêmes de travailler. Et je pense beaucoup, et je me laisse motiver aussi beaucoup par les gens qui font le top sport. D'être champion du monde, ça ne va pas automatiquement, c'est un travail quotidiennement. Je vous laisse avec cet rituel, et je vous dis, vive l'au-delà. Et merci de m'avoir écouté. Mettez-vous dans une position à l'aise, en circonstances normales, et une respiration tranquille. Vous n'êtes pas influençable par les événements qui viennent de votre extérieur. Vous êtes dans un endroit protégé pour faire votre voyage vers le pensée positif. De votre position, vous montez tranquillement au-dessus de votre maison et vous voyez votre village. Votre ville. Vous traversez quelques nuages. Vous montez de plus en plus haut et vous voyez votre pays avec l'océan, la mer. Les contours de la terre sont visibles et vous voyez le noir de l'univers. De cette position, vous montez encore plus haut vers l'univers. Et vous voyez votre planète à distance. Une belle sphère bleue qui émet une belle lumière dans un bel univers. Il y a un silence agréable. De par votre position dans l'univers, vous voyez que votre planète est remplie de belles personnes, d'animaux, de mers, de montagnes, de forêts,
de ville, de village. Tout est connecté en parfaite harmonie, conformément aux lois de la nature. Vous comprenez que tout ce que vous voyez autour de vous est créé par quelque chose de plus puissant que vous, car vous savez que l'humanité n'est pas le créateur de l'univers, soit l'homme. Vous êtes dans l'acceptation totale pour cette force, votre créateur. Vous vous concentrez sur la terre et cette belle image vous donne un sentiment chaleureux dans votre cœur. Ces sentiments vous reconnaissez comme amour. Autour de vous, vous voyez de belles étoiles et vous sentez les chaleurs du soleil. Votre corps flotte dans l'univers. Il y a un pays, et quand vous vous retournez, vous voyez les galaxies et vous ressentez une sensation énorme de reconnaissance. Vous sentez que vous faites partie de tout cela et que tout est connecté. À votre côté, vous sentez une présence agréable qui vous protège. C'est votre guide spirituel. Vous vous vocalisez sur la terre. Vous comprenez à l'instant que chaque personne peut réaliser ses rêves. Il n'existe plus de faim ou d'injustice. Tout sur cette belle planète est en parfaite harmonie, et vous aussi. Votre ressemblance est liée à la terre avec le sentiment d'amour. Vous vous rendez compte que lorsque vous envoyez votre amour à vos concitoyens sur cette terre, vous contribuez à augmenter et à garantir cette harmonie de l'infini. De par votre position actuelle au-dessus de la terre, vous êtes sensible à l'énergie qui vit dans l'univers pour la renforcer et l'envoyer sur la terre. Vous sentez cette transmission à travers de votre corps et vous voyez que votre rayon d'énergie touche la terre et cette connexion augmente la belle lueur de la terre. Et vous savez que cela est dû à votre pensée. Vous gardez cette pensée et augmentez le pouvoir de l'énergie en pensant à l'harmonie entre vous, la terre et ses habitants. Avec votre pensée, vous augmentez la perfection terrestre. Vous voyez que votre énergie fait briller la terre avec encore plus de couleurs magnifiques, plus belles que vous pouvez le décrire. Une forte émotion d'amour et de reconnaissance rentre dans votre corps et vous la sentez partout. Cette sensation est la reconnaissance de l'origine de tout, la naissance de l'amour universel. Vous restez dans cette émotion et encore vous regardez autour de vous, dans l'univers, votre bel univers. Toutes les planètes sont tellement belles que vous avez envie de retourner dans cette énergie de tout. Lentement, vous descendez vers la terre. Vous reconnaissez votre place sur cette magnifique globe. Vous traversez le nuage. Vous voyez votre maison. Et encore, vous êtes toujours connecté à l'énergie de l'univers pour établir un contact physique avec la Terre maintenant. Vous rentrez dans votre maison. Et vous vous sentez tellement heureux et plein d'énergie par cette action positive. Vous ouvrez vos yeux et vous vous sentez connecté à tout autour de vous. Vous attendez
et sentez la vie qui est connectée avec vous. Vous êtes pleine d'énergie, votre corps est en bonne santé et rempli d'amour pour les autres habitants de planète Terre. Vous restez connecté, car vous sentez bien la présence de votre guide spirituel. Merci.